Hey, salut à tous, c'est Monsieur Véder, le mic. Comment ça va? J'espère que vous allez bien et que ça va plutôt pas mal. On est reparti sur Far Cry 4. Eh oui, le son, à mon avis, doit être un peu moins bon que d'habitude, puisque cette fois-ci, vu que j'enregistre sur la Play et pas à travers l'ordi, pour tester une manette. Bref, pour tester, ouais, une manette, du coup, bref, c'est comme ça. Donc, j'espère que le son est quand même assez bon. Et voilà. On a vu l'hélicoptère de Pagan. Il ne vient jamais aussi loin, je voulais savoir pourquoi. T'as de la chance. On était dans le coin quand on a reçu le message de Darpan. Bon. Voilà. Bienvenue à Banapur. Foyer du Sentier d'Or. Qui est-ce? Où est Darpan? Il s'en est pas sorti. Je te présentais Jegail, le fils de Mohan. Si je comprends bien, Darpan est mort, hein? Et tu me ramènes ça? Eh, hey, j'ai rien à voir dans toutes vos histoires, d'accord? Je veux juste aller à Lakshmana. On est au beau milieu d'une guerre civile. On n'a pas le temps d'aider les touristes. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je le laisse là-bas? Ah bah putain. Désolé mon frère. J'ai bien raison. Amita peut être susceptible. Je vais lui parler. Et pour Lakshmana, on dirait le nom d'un temple ou d'un sanctuaire. Mais dans ce cas-là, ce serait au nord. Le nord est en territoire ennemi. On ne peut pas t'y emmener, pas encore. Putain, sors, si j'avais respire. Attendu 5 minutes. Il m'y emmené en hélicoptère en 30 secondes. Reviens me voir quand tu seras prêt. Chef du pays. Pagan Min. Mais la dernière fois que j'ai fait le jeu. Parce qu'en fait, là, tu vas voir que tout le long du jeu, tu vas avoir le choix entre aider lui ou la meuf. Et c'est assez chiant parce que Amita ou Sabal, tu vois. Mon mari adore tout. Il fait des vêtements pour toute la famille. Donc on va aller voir Sabal. Donnez-lui de la morphine et coupez cette putain de radio. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Pagan squatte la radio et on doit supporter ces conneries. Mais ça suffit. Je l'ai envoyé grimper sur la tour radio pour s'emparer des émetteurs et pour pirater les messages. Sauf que... Je sais grimper. Ouais, n'importe quoi, ils viennent de l'injecter. Personne ne monte la garde, mais ce sera la morphine, le mec qui sent plus rien. Promets-moi de ne pas tomber. C'est dans la veine, mon pote, hein. D'accord. C'est pas intramusculaire, hein. Dans la veine, en 2 secondes, tac, tu sens l'effet, hein. Je sais pas si on t'a déjà fait une anesthésie générale, mais t'as pas le temps de faire 1, 2, t'es plus là. C'est vachement bien fait. Ça change de... Parce que là, je suis sur l'écran d'ordi. Et je peux te dire que... Putain. C'est bien fait. Comparé à mon ancienne télé. Oula. Aïe, aïe.
toujours trouvé la K-47 de ce jeu particulièrement bien faite. Parce qu'en plus, dans ces pays, c'est exact. C'est cette arme-là. De toute façon, c'est cette arme-là utilisée la plus dans le monde, tu vois. À quoi ça sert, merci. Bon alors, comment j'y grimpe? Il y a je ne sais combien de tours comme ça dans la région, comme dans Far Cry 3. Et c'est chiant de toutes les... Putain, le mec qui sait pas... Pourquoi il a pas sauté? Un bon citoyen.
et pillage. Ok. Confection. Un holster d'armes. Donc il nous faudra 3 pots de l'outil bétain et un portefeuille. J'ai déjà 2 pots de parole. Avec le prochain, je pourrais transporter jusqu'à 1 million de. Je sais pas comment on appelle l'argent de Kirat. Il me faut 3 pots de macaque d'Assam. Pour de l'eau tibétain, ok. Donc. Sanglier. Il n'a pas l'air d'y avoir de l'eau tibétain. Ça, c'est quoi? C'est un macaque d'Assam. Ça en est. Et je vois pas qu'est-ce que tu veux que je fasse comme mission en fait. Ouais, en fait on a des milliers de... C'est comme en Chine avec les yens et tout. Genre on a des milliers de... Des milliers en argent, mais... Mais tout coûte des milliers aussi. Jay, c'est Sabal. Beau travail pour la tour, mon frère. On peut émettre sur cette fréquence et dire la vérité au peuple. Regardez ce que le vent amène. Avec cette guerre, t'as de la chance de pouvoir acheter au monde. Mon mari adore coudre. Il faisait des vêtements pour toute la famille avant. Maintenant, d'après Sabal, je ne devrais pas faire ça. Je t'apprends simplement à te protéger. Ah, le touriste. Je m'appelle Amélie. Ça à faire la maline. Elle, c'est Badra. Salut. Continue. Écoute, j'ai mal réagi tout à l'heure. C'est la guerre. On perd des hommes tous les jours, on a du mal à s'en sortir. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je suis pas un soldat, mais je veux aider. Ok. Bon. Il y a une ferme pas loin d'ici. C'est celle de Canaan, mais elle est vieille et a besoin d'aide. Pour se protéger des animaux sauvages. Je veux que tu rapportes les pots intacts, alors prends ça. Badra. Mais enfin, applique-toi. Je suis pas un soldat, mais je veux aider. J'ai déjà descendu une dizaine de mecs. Très bien. En 24 heures, tu sais.
même pas. C'est peut-être un peu débile de prendre ce moyen de transport là. Ah non. Ah oui, c'est des bruits de mitraillette de temps en temps. Je croyais que c'était. Je sais pas moi. Je sais pas, je croyais que c'était le vent, je sais pas, mais je croyais pas que c'était des mitraillettes. Soldat, mon pote, d'où ça se tire? Peut-être là-bas, peut-être là-bas. Je sais pas, franchement. C'est quoi, Canan? C'est quelqu'un? Merde. C'est Amita qui m'envoie. Elle dit que vous auriez des problèmes avec des animaux. Putain. Amita, j'ai pas la moindre idée de ce que je suis censé faire ici. Ah, les loups rôdent souvent près de la ferme de Canan. Elle en a tué un certain nombre, mais ils sont très agressifs cette année et je m'inquiète pour elle. Ils ont une tanière dans le coin. Détruis-la. Je crois que Canan range du matériel quelque part dans sa ferme. Tu peux te servir. Au fait, EJ, dépêche les bêtes. On a toujours besoin de peau. Putain, elle est blindée la vieille, yo. Ma habir, mon ami, je sais que c'est beaucoup. Ça.
savoir qu'est-ce que c'est quoi là, leur problème. J'ai détruit la tanière des loups là, non? Ça aide la vieille. Hey, Badra. Tu vas bien? Oui. Je vous apporte ces peaux, j'ai pensé que ça pourrait vous servir. Elles sont belles, AJ. Mais garde-les. Elle en a assez pour ses tableaux de Tanka. Pardon? Des Tanka? Celle-là parle de la vie d'un gourou. Ça, c'est le démon Yalung. Celle-là parle de la déesse Kira.
Et celle-là parle de Badra. La prochaine, Tarun Matara. La Tarun Matara est une déesse vivante, d'après ce que dit Sabal. C'est pas une vie pour une gamine. Être traitée comme un objet, une chose. Merci pour ton aide. Plus tard, on te montrera comment les utiliser. Ok, mission terminée, on va peut-être s'en faire une de plus. Hey Jay, quand t'auras le temps, va voir Longinus. C'est un ami du Sentier d'Or. Il sera reconnaissant de ton aide. Longinus, tu dis? Oui. C'est un marchand d'armes et un prêtre, aussi bizarre que ça puisse être. Longinus est un peu dingue, mais si tu veux des armes, c'est l'homme qu'il te faut. Je t'envoie ses coordonnées. Donc on va aller voir Longinus. Hey, regarde. Alors, j'ai un point de compétence. Avec un volant. Ici Rabbi Rehana avec une petite leçon de sagesse pour mes auditeurs. Pas la peine de nier, on n'est pas très tendre avec les animaux du Kira. Mais j'ai une théorie, mes enfants. On est méchant envers les animaux parce que c'est vraiment des connards. Non, je m'exprime mal. C'est parce que beaucoup croient à la réincarnation et il y a pas mal de connards au Kira. Vous suivez ma logique? Vous voyez où je veux en venir? Bon. On est de gros connards et on tue les animaux et puis on se réincarne en animaux. C'est un cercle vicieux. Des connards engendrent d'autres connards. Réfléchissez à ça une seconde parce que c'est ça le problème. C'est vrai. Imagine s'il y a plein de connards. On serait prêt à tuer un animal juste quand ce serait la réincarnation de quelqu'un qu'on n'aimait pas dans la vie. Tenez, tu les animaux. Une fois j'ai vu une chèvre qui avait les mêmes jeux pour les connards. Alors je l'ai buté sur place. Et pour me venger, j'ai pris sa viande. Je suis végétarien, mais je l'ai mangée. Elle avait le goût de mon ex-copine. Le goût de la connerie et de la nymphomanie. Le mec, je suis végétarien, mais je l'ai mangé. C'est sûrement pour ça que j'ai un mauvais karma et que je vais me réincarner en une saloperie de chèvre. Et quelqu'un viendra me tuer. Ou m'enculer. C'est sans fin. Et c'est une théorie. Maintenant. Bienvenue. Je suis Longinus. Putain, c'est bien calme dans la maison en bois qu'on parle. Et toi, mais il est assis sur un stock de poudre. Tu es Edgy. Bienvenue dans mon église, loin de l'église. Qui vend des flingues, bien sûr. Car les doux hériteront de la terre, mon ami. Il ne leur manque que de bons flingues. Révélation 5-5, c'est une lecture très revigorante. Alors, l'un des vieillards me dit... Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et pour briser ses 7 sceaux. C'est notre sauveur. Il nous est revenu sous la forme d'un lion, d'un guerrier. Alors, j'ai commencé à me dire, si le fils de Dieu est ressuscité, quel type de flingue voudra-t-il? Quand le Christ revient pour briser les 7 sceaux et amener le ravissement, il est le lion, pas vrai? Et un lion, ça a besoin de crocs. Quel flingue choisirait Jésus? Deutéronome 32-47. Car ce n'est pas une parole vaine pour vous, mais votre vie. Ou bien... Proverbe 19-11. L'homme qui a la sagesse
et lent à la colère. Je ne comprends pas ça. Les soldats savent. Les soldats savent toujours. Car nous avons vu le ravissement. Et avons survécu. Il te faut des flingues pour faire le bien, Edge. Chaque arme est une vie. Et chaque balle, un sermon. Pour chaque tour radio que tu vas libérer des mensonges de Pagan, je te ferai un don. Un cadeau. C'est la volonté de Dieu. Tiens, voici déjà le premier. Badapour se fait attaquer! On a besoin d'hommes, et tout Sabal, de suite! Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque! Ne t'embête pas, Arsène! Alors il leur dit, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création! Putain, c'est maintenant qu'il me laisse avec un fucking arc, quoi. Rejoignez Banapour. J'aimerais tellement que tu te souviennes de cette époque, Edge. Moi, ta mère et toi dans ses bras. Oh, les beaux jours. Elle n'a jamais été plus heureuse qu'à cette époque, et je dois dire que moi aussi. Nous faisions des projets, pas seulement pour notre petite famille, mais aussi pour le Kirat. Ce pays n'a pas toujours été comme ça, et j'aimerais revenir en arrière. Mais il est trop tard. J'ai essayé, j'ai vraiment, vraiment essayé. En fait, mais c'est mon père. Mais cette te démolit. Ne la laisse pas t'enfoncer, Edge. Comment... Il choisit de ne t'a pas renvoyé ici pour père, ça, pas vrai? Ah ben... Je tire bien de lui, apparemment, hein. Dans cela... Peut-être que je dis que oui, je veux faire le bien et tout. Mais en attendant, je tue tout le monde. Peut-être que je veux faire le bien, mais... Je fais sacrément de mal en faisant le bien. Il va y avoir aussi Earth. C'est le meilleur personnage de Far Cry, Earth. Mon petit Erky avec son roi des singes. Ah non! Ah, je suis là, Sabal. Qu'est-ce que je peux faire? Putain! Reste à couvert et sauve tous ceux que tu pourras! Je suis pas loin, j'arrive avec des renforts! Ah, ah. Génial, donne-moi ton arme. Dépêche-toi.
Putain, mais tu blesses, Teddy, là. Les gens ont besoin de la voir, ça les rassure. C'est qu'une gamine, sa balle, et elle est terrifiée. Je vais la ramener, et puis ensuite on s'inquiétera pour les gens, d'accord? Merci. Ça va, toi? Voilà ce qu'on a gagné en sauvant AJ. On attaque Paul, et il massacre tout un village. C'est pas la faute d'AJ, c'est la mienne. Mais on verra ça plus tard. Ils ont pris l'avant-poste, et ils ont des otages. Bon, commence par l'avant-poste. Sans lui, on est coupé des autres. Allez. Regardez! Regardez ce que Pagan Min a fait! Hey les amis, moi je vous dis que c'est la fin de cet épisode. C'était en tout des cas, maisons. Si vous avez kiffé, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et partage à tes amis qui partageront à leurs amis. Comme d'habitude, tu connais les bails. Allez, à la prochaine, merci d'avoir.